L'éthique alimentaire, c'est pour moi un ensemble de valeurs effectivement dans lequel l'entreprise va se retrouver. Pour un groupe coopératif comme Maïs Adour, c'est effectivement des valeurs coopératives hein, avec effectivement un principe démocratique, un homme, une voix, et une structure et un modèle économique qui sont bâtis par et pour les agriculteurs et une organisation en filière. Donc c'est effectivement un certain nombre de valeurs que l'on va venir nourrir et vivre au quotidien en réponse à des attentes consommateurs. Donc des exemples que l'on peut citer par rapport à cette éthique alimentaire, on a un gros travail de filière, donc de la fourche à la fourchette, donc avec une filière maîtrisée sur les différents maillons qui viennent effectivement donner du crédit et de la transparence et des garanties supplémentaires aux consommateurs sur une filière entièrement maîtrisée, avec des acteurs et des producteurs qui sont des hommes passionnés avec des savoir-faire qui viennent effectivement travailler un produit au service d'attentes consommateurs spécifiques.